Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, ça va être encore une randonnée pour pas changer. Là, cette fois-ci, je suis à pied. Comme la vidéo de la dernière fois, l'avant-dernière vidéo en fait. Je vais essayer de battre mon petit record. La dernière fois, j'avais fait 56 000 pas. Là, je vais essayer de faire 60 000. Voilà. Et ma direction, ce sera l'abbaye de Saint-Romain. En fait, je vais aller me promener dans la colline, là où se trouve l'abbaye de Saint-Romain. En fait, cette abbaye, ça appartient à la commune de Beaucaire. En fait, bon, je ne pourrais pas la visiter, j'ai pas d'argent pour pas changer. Mais c'était surtout pour aller voir la petite chèvre que j'étais allé voir une fois. En fait, il y a une petite chèvre qui vit dans la colline. Et il y a 2-3 ans, j'étais allé la voir. De plus, elle attendait des bébés. Peut-être que si elle y est encore, cette chèvre, ben là, ils seront plus nombreux. Il y aura ces petits. Alors, je vous garantis rien. Bon, déjà, le but, c'est de battre mon petit record. Là. Voilà, j'ai déjà 24 000 pas. J'ai presque 20 km. Là. Ouais, il me reste. Je suis à peu près à 10 km là, de l'abbaye de Saint-Romain. Là, je sors à peine d'Aramon. Là, le Gard, bien sûr. Je suis en Occitanie, là, pour ceux qui ne connaissent pas la région. Beaucaire, c'est à côté de Tarascon aussi. Enfin, ouais. Il faut traverser le Rhône et vous êtes à Tarascon après. Voilà. Bon, j'espère que ça va le faire, là. Qu'elle y sera, cette petite chèvre. Là. Puis bon, il faut profiter du printemps. Ouais, on est le mercredi 26 avril. Voilà. Bon, là, je longe le canal. Ça, c'est le canal du Rhône. De l'autre côté, il y a le Rhône. Ah ouais, au passage... De toute façon, c'est sur mon chemin. Je vous ferai voir vite fait où il se jette, le Gardon. C'est le Gardon, il se jette à Beaucaire, en fait. Je crois qu'il fait 120 km, je sais plus. J'avais regardé. Ouais, il part de la Lozère, il traverse toutes les Cévennes et il se finit là, à Beaucaire. Enfin, il passe par Coms. C'est à la sortie de Coms. Coms, c'est un village près de Beaucaire aussi. Direction Remoulin, le pont du Gard. Voilà, ça et tout. Là, je vous montre un petit peu. Bon, de l'autre côté, c'est la route. Si vous entendez des voitures. Mais là, en fait, c'est une voie verte, mais ils n'ont pas fini encore de ce côté. Là, c'est pas fini. Je l'ai prise d'Avignon. La voie verte. Là. Du pont d'Aladier ou du pont de l'Europe, on peut la rattraper. Je sais pas ce qu'ils attendent de la finir. Enfin, voilà. Bon, de toute façon, je vous reprendrai un peu plus loin. Là. Quand j'arrive vers... En fait, je serai de l'autre côté de Val-à-Brève. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Je vous remonte le petit chemin. Bon, il fait beau aujourd'hui. Il fait 23 degrés encore. Là, il n'y a pas de vent. Il y a un peu des nuages. Quand je suis parti tout à l'heure, il n'y avait pas de nuages sur Avignon. Mais bon, voilà, ça va faire une belle petite trotte. Voilà, je vous ai fait voir. Voilà, j'ai 24 000 pas. Ouais, ça fait 19 km 53. J'ai déjà fait 19 bornes. Hein. De retour, bon, par contre, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des taureaux là. Vous voyez le champ que je vous montre là. Il y a plein de taureaux là. Et alors, je crois que j'en vois un de là-bas, il m'a pas senti, mais bon, je vais pas trop m'approcher. En fait, là, il y a une coin sympathique. Ben, ça y est, on s'approche.
Ouais, j'y suis pas encore arrivé. Hein. Vous voyez là-haut, la montagne. Attendez, je vais vous faire voir un peu mieux. Là-haut, là-bas, la montagne, c'est là-haut que je vais. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit 10 km, je crois que j'ai parlé. J'ai dit qu'il me restait 10 km, il me reste plus en fait. Hein, c'est cool. Hein. On s'approche du Gardon là, qui se jette dans le Rhône, quoi. Ouais, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, en fait il finit dans le Rhône, le Gardon. C'est incroyable le nombre de rivières qui se jettent dans ce Rhône. Ben, ici déjà vous avez la Durance, il y a l'Ouvèze aussi qui se jette dans le Rhône. Et le Gardon, c'est déjà pas mal. Ouais, elle est là-haut là. Vous voyez mon doigt, ouais, je vois pas bien cette colline. Hein. Et ouais, ça fait une belle petite trotte quand même à pied. Et là j'ai 28 000 pas. Hein. Attends, ça fait combien? Et ce jeu bafouille. Hein. Ouais, j'ai 22 km 43. Ouais, tout à l'heure j'étais à 19, j'ai l'impression que j'avance plus. C'est toujours ça, les derniers kilomètres. C'est toujours les plus longs, c'est drôle. Ouais, elle est verte l'eau. Je me fais bouffer par les moustiques. Il y a du pollen. Sur l'eau, il y a un petit peu de pollen. Tu vois qu'il y a des nénuphars. Ouais, c'est en train de se couvrir là. Bon, allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous reprends un peu plus loin, je vous fais voir. Je descendrai pas hein, au Gardon. Hein, parce que là, il faut que je monte. Là. Je sais pas à quelle heure je vais arriver là, ou en plus ça monte après. Je vous ferai voir de toute façon. Hein. Là, je suis encore parti trop tard. J'aurais dû partir à 8h du matin, j'y serais déjà. J'aurais même de retour. Là. Enfin bon, il faut pas pousser parce que bon. Ça fait une trotte, on verra combien il y a de kilomètres quand je serai arrivé en haut. Exactement de là où je suis parti. C'est joli. J'ai vu un taureau là-bas. Je sais pas, ça se verra pas la caméra. Et ouais, pour revenir sur Beaucaire, c'est... Le début de la Camargue, Valabrègue, tout ça, Tarascon. C'est le début de la Camargue quand même. C'est grand la Camargue, l'air de rien. Voilà, bon allez, cette fois je coupe, à tout à l'heure. Tiens, je vous fais voir un bonus. Ce que je vous parlais tout à l'heure. Hop. Tolo, tolo. Désolé, je sais pas pourquoi ça fait des traits là, c'est le soleil. Là. Hop, ils sont pas bien eux là. Allez, à tout à l'heure. Je vais dézoomer. Pourquoi il dézoome pas lui? Oh là là. Hop là. Allez, à tout à l'heure. Allez, de retour, ouais, je vous disais, vous avez vu là, je suis à la hauteur de Valabrègue. Voilà, bref, c'est de l'autre côté du Rhône. Ben, ça se verra pas, on voit le port en face. Là. Ouais, ben en fait, je peux plus passer, là, ça travaute. Là. Oh, les boules. Ouais, alors le Gardon, je vais vous montrer, il se jette là-bas. Là. Je prendrai le téléphone. Ouais, je vais être obligé de traverser là, et de relonger la berge de l'autre côté. Là. Je sais pas si je peux pas longer par en bas, non. Là, ça y est, on s'approche. Là. L'abbaye de Saint-Romain, c'est en face. Ouais, ils font une voie rapide. Là. Ils sont en train de faire un pont, là, apparemment. Mince, je peux pas passer. Là. C'est embêtant. Il faut que je traverse. Là. Quoi qu'ils avaient commencé
Ça fait un moment que c'est en travaux, là. C'est pas fini. Là. Ouais, je peux pas passer. Là. Tant pis, je vais longer la route, c'est dangereux, mais bon, je fais comment? Je vois pas pourquoi c'est interdit, hein, mais bon, il y a personne qui travaille. Il hein. Y a personne sur le chantier. Hein. Ouais, c'est là qu'il se jette en fait le gardon. Là-bas, ça s'appelle Combs, hein, par là-bas. C'est la sortie de Combs. Hein. Et on peut traverser juste après, c'est le Rhône. Cardo il se jette là-bas, là, c'est le Gardon encore que vous voyez. De ce côté après, ça se jette là-bas. Et là, je peux pas passer, c'est interdit. Putain, mais il manquait plus que ça. Et là, je peux pas allonger là, en bas, c'est en travaux. Vous voyez, bon, j'étais déjà venu, là. Mais de toute façon, je crois que je vous avais fait voir quand je suis allé à l'abbaye la première fois, je ne m'en rappelle plus. Accès interdit, ouais. Ils mettent ça, mais l'été, il y a tous les pêcheurs. Là. Mais là, l'hiver, là, c'est inondé, là. Ce que vous voyez là-bas en face, là. Voilà, c'était pour bon, je vais pas aller plus loin parce que j'ai encore de la route à faire. Hein. C'est sympa ce coin. Hein. Là en face, c'est le Gardon. Hein. Voilà, il faut que je rattrape la route là, bah, que je monte là. Et on va voir si c'est allié cette petite chèvre. De toute manière, je resterai pas trop longtemps. Il faudra que je reparte après. Hein. Là, je vais me prendre la nuit. Hein. Je zoome avec le téléphone, je vous fais voir un peu mieux la petite cascade. Allez, à de suite. Et le petit zoom. Voilà. Hop, la petite cascade. J'ai pas son focus. Je sais pas ce qu'il me fait. Hop là. Voilà, vous voyez la petite cascade. C'est la dernière cascade du Gardon. Voilà. Allez, je dézoome. Mince, désolé. C'est joli ce coin. C'est en train de se couvrir. Allez, à tout à l'heure. Ouais, elle me fait arriver. Pouah. Je vous laisserai lire, vous mettrez sur pause. T'as, la petite cabane, ça n'a pas changé. Je vous l'avais fait voir d'ailleurs, ça. Quand je suis venu. Hop là. Super. Bon, il faut monter maintenant. On va voir si elle y est, cette petite chèvre. J'ai combien de pas là? Ouais, ben, je les ferai les 60 000 pas. J'ai 34 000 pas. 27 km là de chez ma soeur. Je ferai voir le plat après. Et là j'arrive, ça se couvre, je sens que je vais me prendre la pluie de retour. Et ouais, ça m'a retenu un peu ces travaux. En plus, il y a encore des travaux là-bas, juste en bas, j'ai pas filmé. Hein. J'ai pas filmé parce que bon, ils font des travaux de partout ici. Ouais. Et on speed un peu. Ça monte après encore là. Là il y a quand même presque 28 bornes hein. C'est pas mal hein. Je vous montre. Ouais elle est en face là mais caché par les arbres. Là. Ouais, je mettrai quand même la description, pardon, de cette abbaye. Là. Elle est unique en Europe. Hein. T'as une pensée à Jean-Guy, là. Il devrait venir faire une vidéo ici.
raconter l'histoire de cette abbaye de Saint-Romain. C'est sympa de s'asseoir. Aïe aïe aïe. Ça monte. Ouais, il y a un plan là-bas, je crois. Ouais, c'est effacé. Ah, c'est le massif de l'Aiguille, c'est vrai. C'est pas le même, je crois qu'il y en a un. Le Mont Blanc, je crois. Il y a un massif qui s'appelle comme ça, je crois. Ah ouais, d'accord. Je me rappelais plus que ça s'appelait ce petit massif de l'Aiguille. Il me semble que... en Savoie, il y a un massif qui s'appelle comme ça. Alors, je sais plus. Je confonds peut-être. Bon, je coupe, je reprends plus loin. Parce que là, ça monte et puis il y a des personnes. Je vais pas les filmer. Allez, à tout à l'heure. Allez, de retour à l'abbaye de Saint-Romain, massif de l'Aiguille. Je m'en rappelais plus. Ouais. Ça y est, j'y suis. Bon, on va voir si ça y est, cette petite chèvre. Vous avez vu la vue, là? Tiens, que j'arrive d'en bas, moi. Bon, la voie, là. L'abbaye de Saint-Romain. Je la zoomerai en partant. Ça a un bokeh en face, là. Ouais, par les collines, en fait, on peut... Ah ouais, l'Aiguille, c'est là, pour attraper comme ça. Ah ouais, je me rappelle qu'il y avait des grottes, je crois qu'il y a une grotte, là. Ouais, je crois qu'il n'y a plus la chèvre. C'est dommage, je sais pas, en fait, on va voir. Faut que je fasse attention, c'est s'il y a un chien. C'est, quand j'étais venu, il y avait un toutou... Bon, il était gentil, mais bon. Ah ouais. Tampi, on se refait la visite. Hein. C'est une pièce. Hein. Ouais. On explore. Ouais, ça fait 3 ans que j'étais venu, en plus c'était avec le téléphone que j'avais filmé. Ça va avoir peut-être une meilleure qualité. Ouais, on est haut là. Là on va voir s'il y a cette chèvre. Là. C'est vrai qu'il y a un passage là. Là ça fait 3 ans que j'étais pas venu. Là. Bon, les 60 000 pas, on va les faire péter. Hein. Combien j'ai là? Ouais, 35 000 pas j'ai déjà. Là, il y avait un chien, bon, il était gentil le toutou. C'est bête que j'ai pas le temps, sinon on aurait fait le tour, on serait parti plus par là-bas. Ouais, je descendrai par là tout à l'heure. Bon, alors elle est où cette biquette là? Ah là, c'est beau, là, c'est vrai. Là. On voit tout. Là. Les Alpilles, le Luberon, le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail. Moi, j'ai pas osé de regarder la table. Là. C'est ma région. Là. Enfin... Ah là, c'est beau. Il n'y a plus la biquette. Je vais en voir du côté d'Avignon. Mais il n'y a plus la biquette. Vous voyez, tout à l'heure j'étais là-bas. Mais avant d'arriver ici, il faut au moins 1 heure. Là. Il y a les travaux en plus. Je l'ai dit tout à l'heure. Là.
Ah, dommage, ouais, ben, il est pas la bique, là, toi. Et puis, dommage que ça s'est couvert, hein. Mais bon, ça a pas changé le coin. C'est toujours aussi beau, hein. Là-bas, je crois que c'est comme ce qu'on voit. Les Cévennes, on voit le Vigan là-bas, les montagnes du Vigan. Là, vous avez vu, on dirait un lavabo. Ah, je suis dégoûté, il n'y a pas la chèvre. Je sais pas, il n'y est plus. C'est beau. Et un petit 360. C'est vrai, quand j'étais venu, il y avait un vent de fou. Il n'y a pas trop de vent. Il n'y a pas de vent. Génial de ce côté. Bon, j'attends que les personnes elles partent. J'espère qu'elles ne vont pas rester 2 heures là, sur la table. Je voulais vous la faire revoir. Il faut faire attention où on met les pieds. Là. Regardez. Ah, c'est beau, hein, c'est vert. Hein. Là-bas, ça va être Uzès comme moi. Là-bas. Plutôt en face, ouais. Même là-bas, au fond, c'est même Nîmes qu'on commence à voir. Ça vole d'oiseaux, c'est pas loin, Nîmes. Je crois qu'il y a 20 bornes, Beaucaire-Nîmes. Et là, Cantelle de Montmirail. Moi, je repars par là-bas. En fait, j'ai longé toute cette berge. Vous voyez, tout à l'heure, je suis passé par là-bas, là où il y a l'antenne, la cheminée de la tour d'Aramon, enfin, de la centrale EDF. Oh, bon, j'aurais pu à parler. Ça fait une sacrée trotte à pied. Oh, j'ai longé la berge. En face, c'est Valabrègue, qu'on voit en face là-bas. Et le Gardon qui se jette dans le Rhône, c'est là, c'est en face. Là. Vous voyez, il descend, il se jette là-bas, le Gardon, au barrage. Là. Là-bas, il y a le barrage de Valabrègue. Ouais, c'est joli quand même. Bon, allez, je vous reprends après. Je vous reprends tout à l'heure. Allez, de retour, bon, mais là c'est côté Cévennes. Vous voyez, vous avez le truc, le pont du Gard. Voilà. Hop. Ouais, il y a des trucs, c'est facile. Ça, là, ça va être compliqué à voir. Vous avez vu, l'aiguille, ça s'appelle. Je suis à 153 mètres de hauteur. Et ma montre, elle marque combien? 149 mètres. Voilà. Sympa. Bon, au fait, j'ai posé des questions à une personne. La chèvre, elle est toujours là, mais apparemment, elle est dans l'abbaye. C'est le bouc qui est décédé. Il a enterré par là, le bouc, elle m'a dit, une dame. Voilà. Joli, joli. Tiens, je vais prendre le téléphone, on va la zoomer. Ouais, elle est unique en Europe, cette abbaye là, de Saint-Romain. C'est beau, là. Et je refais un petit 360. Hop. Allez, je prends le téléphone. À tout de suite. On va se zoomer. Mais c'est pas immense en fait, c'est gratuit pour ceux qui habitent à Beaucaire, pour les Beaucairois. Moi, comme je suis d'Avignon, c'est payant. Mais bon, j'ai pas d'argent. Elle est unique en Europe. Je mettrai quand même la description. Je fais un petit zoom. Oups, oh, je vois pas bien. Hop là, sympa. Bon, par contre, derrière, c'est chez Beaucairois, je crois.
c'est pas top, mais bon, bref, c'est les éoliennes, ils vont, là. Je vois pas bien. Ouais, c'est bon. Je suis à ce côté. Ouais, tout de suite. Je crois qu'on peut faire le tour. Aïe aïe aïe, j'ai failli me casser la figure. Regardez. On va voir si on peut faire le tour. Moi, je suis arrivé par là. Je pense qu'on peut faire le tour. Bon, là, j'ai presque 40 000 pas. Ouais, je sais pas combien ça va faire de retour. Enfin, 38 000 pas, j'ai... Bon, j'avais zéro au fait, quand je suis parti de chez ma soeur, j'avais zéro pas. Enfin, elle était à zéro la montre. Vous voyez, on peut faire le tour. Si la pierre elle pouvait parler, elle nous en raconterait des choses. En fait, je t'en dessus tout à l'heure. Bon, j'espère qu'elle va pas partir en brioche, la GoPro, parce que dès qu'il y a un peu de l'ombre, ben, elle perd sa stabilisation. Pas bien ça, bon, c'est pas grave. C'est le délire. Je vous dirais que ça a été fait par l'homme, ça, alors je sais pas. Hein. Je ne peux pas dire de bêtises, mais bon. Je sais pas si ça a été fait par l'homme ou quoi, ça. C'est drôle. Hein. Oui, ma petite grotte. Voilà. Sympa ce petit massif de l'aiguille. Bon, je suis désolé pour la chèvre. Je voulais vous la refaire revoir. Elle est pas là, elle est là-bas, en face de l'abbaye. Voilà. Bon. Allez, je vais redescendre. Et je vais commencer à re-rentrer. J'ai de la route à faire. J'ai combien là, de kilomètres? Je vous refais voir. Ouais, j'ai 28 km 77. Presque 30 bornes. Bon, ça fera pas 60 km aller-retour du coup. Hein. Là, on la voit encore. Bon, c'est pas immense. Bon, je me répète, je le dis, je le redis. Je mettrai la description là, de cette abbaye de Saint-Romain. C'est en train de se couvrir. J'espère que je vais pas me prendre la flotte. Bon, on la voit là-bas. De toute façon, j'ai zoomé. Ouais, il y a le plan, ouais. Bon. Allez, je vous reprends un peu plus loin pour la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Il y a un petit bonus, il y a un papillon. Regardez. Oh, qu'il est beau. Vous avez vu? Et je vais zoomer un peu plus. Je sais pas ce que ça donne, je vois pas bien. Parce que là, il y a du soleil. Ouais. Et quand c'est en plein soleil, ben l'écran il se baisse la luminosité. Oh que c'est beau. Petit bonus, papillon. Je sais plus ce que c'est ça comme un papillon. Hop là. Il est beau. Hein. Oh c'est dur à filmer. Hein. Allez à tout à l'heure. Hop. Voilà, c'est pas facile à filmer, là, je suis avec le téléphone. Allez, c'est bon. Allez, de retour pour la fin de la vidéo. Bon, ben voilà, je serais venu, mais pas pour rien. On aura fait quand même, je pense que je vais les faire, les 60 000 pas. Bon, la chèvre, tant pis, elle n'y était pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est comme ça.
Voilà, j'ai presque 38 000 pas. Voilà, je pense que je ferai plus de 60. Je verrai, on va voir. Mince, j'en bafouille. On verra comment ça fera de... quand je serai arrivé chez ma soeur. De toute façon, je mettrai les photos comme d'habitude à la fin. Bon, hashtag le partage c'est la vie et la santé aussi. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Tiens, j'ai fait à l'envers aujourd'hui, c'est pas grave. Ouais, j'ai encore de la route à faire. Hein. J'ai encore 27 bornes à me taper. Je pense que je vais me prendre la nuit, mais là j'ai pris ma lampe. De toute manière, je longe la berge du Rhône. La berge du Rhône. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao, là, ami. Je sais pas ce que ça sera la prochaine fois, on verra. Ouais, de toute façon, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Là. Je vais essayer de retourner dans les Alpes là, et au Trou du Raz aussi. Là. Et là, il faut que je fasse réviser mon vélo. Là. Elle est en face, là, l'abbaye. Là. Il faut que je réviser mon vélo pour partir un peu plus loin. En plus, j'ai crevé l'autre fois, je ne l'ai pas réparé. Bon, bref, allez, je vous laisse cette fois-ci. Ciao, l'ami. Namaste, namaste. Bye.